Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Red Dead Redemption 2. Et si vous avez vu la précédente vidéo, on partait à la recherche. On avait récupéré quelqu'un qui avait une prime sur sa tête. Bonjour. Non. Qui avait une prime sur sa tête. C'est un chef d'une milice qu'il a créé. Qu'on voit aussi dans l'histoire principale, donc c'est marrant, ça va être un peu un mix entre principal et juste une quête annexe où tu fais le chasseur de primes. Bon, on va voir de la route, hein. Ça va être de la route de nuit pour, je pense, pour aller jusqu'au bout. On profite un peu de la ville de Saint-Denis, donc, dans la nuit, qui a vraiment son charme. Mais la nuit aussi, c'est vraiment très très beau. On va galoper jusqu'à là-bas, voilà. On va quitter la ville, dites au revoir à la ville, bye bye. Chaque décor a ses petites spécialités, etc. C'est vraiment le pied. Et là, il va faire assez. On va dire bonjour, j'ai pas eu le temps de lui répondre le bonjour. Mais... Allez, on va accélérer. La précédente vidéo avait été à rallonge. On avait fait pas mal de petits trucs là. Ça va être vraiment, on est là pour ramener mort ou vif, donc le chef de la milice Lemoine, quelque chose comme ça. Donc on va voir si on va réussir. On va essayer de pas le tuer maintenant, si on est obligé, si on se rate, si voilà. Mais on va essayer de le capturer, hein, vivant, pour récupérer plus de sous. Mais dans tous les cas, il faut qu'on arrive à l'attraper. Je vous propose qu'on suive quand même pas mal les chemins indiqués, parce que dans cet endroit où il y a beaucoup de marécages, etc., ça sera pas trop pratique. Regardez avec des alligators, dès que tu sors de la route, c'est quand même relativement dangereux. Et donc, on va rester, c'est inquiétant à chaque fois. Hein. Tu vois les trucs là, regardez en face. Hein. Tu vois les bestioles. Ça fait assez flipper, c'est vraiment. Ouais, ils arrivent en fait, les alligators, c'est fou. C'est-à-dire qu'ils vont pas très vite, mais ça arrive à avoir un côté inquiétant dans le jeu. Allez, on est encore assez loin. Je vous ai dit, on va avoir besoin de presque toute la nuit, je pense, pour aller jusqu'au camp. Ça aurait été bien d'attaquer peut-être le camp de nuit, ça nous aurait. Attendez, qu'est-ce que vous avez? Bonjour messieurs. Vous avez l'air intéressant. You said get lost, Nay. Don't have to tell me twice. Qu'est-ce qu'ils ont? We told you once. Ok. Bah écoutez. Damn it. Je me demande ce qu'il y a, mais on va tranquillement fouiller, les gars. Ne vous inquiétez pas. On va aller voir ce qu'ils. Je sais pas ce qu'ils ont enterré là. Ah, ils essayaient de casser un coffre. Ouais. Ils essayaient de casser un coffre qui venait de voler, je présume. On s'est fait repérer. Bon, c'est pas grave. Comment on fait pour l'ouvrir? Alors, est-ce que ma tête cache quelque chose? Est-ce que. Faut que j'y tire dessus? Non, on monte pas. J'en fous de ça. Attendez, est-ce qu'il faudrait qu'on y tire sur le truc? De ma tête, je vois pas. Hein. En fait, je peux rien faire de ce coffre. Ça m'énerve, ma tête cache le truc ou. Non, y a rien à faire avec. Bon. Ils ont pas récupéré de clé, rien. Je suis déçu. Tant pis.
Allez, on repart. Hein. On rappelle qu'on était à la recherche quand même d'un bandit, d'un chef de milice. On y retourne. Va peut-être falloir prendre de quoi récupérer. De l'énergie, mais c'est pas trop grave, on en a plein. Le sang froid ça aura quand même pas mal son importance. On est plus très loin, hein. On est plus très loin les gars, on va s'en griller une encore. On espère que ça va bien se passer. Mec il les enchaîne les cigarettes. Ah oui, mais on a plus du tout d'énergie. Bon, c'est pas grave. Si on va prendre un truc qui donne. Voilà. Et comme ça, on est blindé. Est-ce qu'on descendrait pas de cheval? Allez. Normalement, il est par là. Il est dans le. Est-ce qu'il serait pas là? Bon, on avait vite fait du teamfight. Là, on va en avoir vraiment, je pense. Mort ou vif, hein. Ça a été annoncé clairement. Explorer le fort. J'ai pas pris mon fusil. Bon, on va faire un petit pistolet. Hein. J'ai plus que 34 munitions des bonnes armes. Bon, c'est pas grave. Ça va le faire les gars. Mais c'est vrai que j'aurais pu prendre le fusil. Je vois personne, c'est bizarre, hein. Lindsay Wofford, I got here a warrant for your arrest, or the other thing if it comes to it. A federal warrant? No, that don't mean much in a sovereign territory, mister. We've been beaten down and driven out enough. Let's make a stand, boys! You're... On va se débrouiller avec le. Déjà plus de 100 fois, il est parti super vite. Il y a un mec là. Attends, c'est pas lui. Notre cible elle est là, ok. C'est bon, on l'a pas encore tué notre cible. Il reste plus beaucoup de munitions du petit pistolet. Du bon pistolet. On a réussi à lui taper dans la main. D'aller le récupérer proprement les gars. On récupère des PV petit à petit. Est-ce qu'on irait au lasso? On y croit. Alors jeune gomme. Non. On s'est raté. Attends, je vais me faire tuer. Mais il était bloqué. Pas de problème.
ça, José. Reprise au point de passage, on va se débrouiller mieux que ça. On va se débrouiller mieux que ça, les gars. Pas possible autrement. Alors, le truc, c'est qu'il va falloir tous les retomber, je pense. Et on a récupéré quand même les balles. Mais je vais prendre le fusil aussi. C'est lequel qui peut aller bien dans cette situation. La cabine à répétition. Hein. Celle-là, c'est une toute petite. Le fusil semi-automatique. Carabine à répétition. Très solide. On va se les faire avec la cabine à répétition. Ah oui, j'ai que 7 balles. Ah, enfin, en haute vélocité, après en normal, j'en ai pas. Voilà. Allez. Lindsay Wofford. On n'a pas de pitié. Des compétitions. Ah, il y a la dynamite, je pense qu'on peut faire péter le truc. On va voir. We've been beaten down and driven out enough. Let's make a stand, boys. Someone take the big gun. Don't let him take him away. Soulever le cadavre. Ah mince, on l'a tué. Attends, moi je vais là-haut. Ok, bon mais il faut qu'on récupère le corps. Bon, c'est moi, mais. Parce qu'ils arrivent en boucle ou est-ce qu'on peut tous les tomber et après on se barre, je sais pas. On va voir. Bon, ça nous redonne une chance de pas le tuer, cela dit. Attends-moi. On va prendre le fusil. Bon, on va commencer en fait au fusil, c'est quand même bien. Hop. Ok. Voilà, là, on a tout ce qu'il faut. Lindsay Wofford. Alors là, on le sait, il faut pas le. On va essayer de pas le tuer. Mais vraiment, d'essayer de nettoyer au mieux la zone. C'est lui. Ah, c'est lui là. Faut pas le tuer lui. C'est ça. Okay. I don't know who this no-account bounty hunting bastard is. Okay, ça va nous arriver de. Non, on va pas tomber. Hop, oh, dans les cacahuètes. Je veux pas le tuer. J'arrive pas à savoir qui c'est. Peut-être qu'on va tuer d'abord. Ceux en bas. Vous arrivez à ça? C'est notre cible celui-là.
c'est bien ce que je pensais, c'est chaud, hein. Non. Alors, pourtant j'ai pris... J'ai réfléchi, j'ai pris le truc pour me soigner, non? Bon. Donne-nous les armes, vu qu'ils nous les reprennent à chaque fois. On veut la carabine à répétition. Et le fusil semi-automatique. Voilà. On y croit ou pas? À un moment ça va marcher. La solution c'est d'aller plus vite en haut. Parce que là ça nous arrive, en fait on n'est pas du tout à couvert de quoi que ce soit. Si on arrive à aller dans cette petite tour, ça va peut-être aller mieux. Tout en essayant de faire attention et de... Est-ce qu'on tente de suite? Après, on va essayer d'aller dans cette petite maison dans un premier temps. Et là, on est à l'abri un peu. Attention, on peut nous arriver de là-haut quand même. L'angle, on me tirait dessus, je pense pas. Toujours pareil, faire attention de pas tuer notre cible. Là, je vois qu'il y a des. Mais c'est notre cible ou pas? Je sais pas. C'est atroce. Mais c'est pas notre cible. J'avais réussi à lui tirer dans la main. Franchement les gars, j'ai quand même pas de chance là. Non? Ah non, je fais gaffe, j'arrive à garder le... J'ai le dead eye pour ne pas le tirer. Je lui tire dans la main. Et alors là il est derrière et il meurt de sa chute. Vraiment c'est... Honnêtement c'est pas de chance quoi. T'es gentil, mais comment je passe là? C'était prévu ça? Est-ce qu'on se moque de moi? Et parce que je vais pas pouvoir monter. Ça a bugué. Enfin, c'était pas prévu en fait ça. On est poisson à ce point là. Je vais pas pouvoir le tirer vers en haut. Si? Attendez. Mais non. Attends. Ça m'étonnerait. On va tenter un truc, mais je me suis fait avoir là. Allez. Est-ce que je peux... Ah non, il le lâche. Tu m'énerves. Comment je fais? Je peux pas passer. On peut pas quitter. Mais j'ai zéro chance dans cette mission. C'est incroyable la poisse que j'ai. Vous vivez ça? Je
peux pas lancer le lasso là. Sinon je l'aurais bien tenté. Mais quel enfoiré d'être tombé. Attendez, si je tire là-dedans. Yes, yes les gars. Ah, j'ai cru que j'étais le mec le plus poissard au monde et être obligé de relancer alors qu'en fait j'avais. Ça a été vraiment la poisse. Et là. Allez. Allez viens Jolly Jumper. Évidemment, il se met là où il y a le rocher. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, zou. Alors, honnêtement, on l'a tombé pour de bon là, cette milice. Ça me tourne mal. Mais c'est vrai que. Je sais pas, peut-être. Ben, faut qu'on là. Faut qu'on aille à Saint-Denis le ramener, le corps. Regardez. Ouais, c'est parti pour une longue route. Alors, est-ce qu'on va se faire attaquer? J'ai essayé de le ramener vivant. Vraiment, là, c'est vraiment pas de bol. C'est qu'il devait en être ainsi, comme on dit. On aura galéré, mais c'était pas facile, franchement. Ouais, c'était pas facile. Peut-être pas très doué non plus, mais c'était une mission assez difficile. C'est la ville là, au fond, déjà, Saint-Denis. Peut-être, ouais. Allez. Poussez-vous, j'ai un cadavre. Ah ouais, c'est la ville où on doit aller, là. Voilà. On va vraiment de loin. Hein. Petite tortue, je sais pas si vous l'avez aperçu. Mais c'était de nuit, et là de jour avec c'est beau avec cette luminosité. Franchement. Hein. Sur le bruit là. Ouais, sur la tuer. You see that coat? That's Lindsay Walker's. We're gonna take that body, mister. It's worth too much for you. Allez, bonne idée. Si vous voulez, hein. Aussi. Il voulait nous prendre quand tu vois comment on a galéré à la voir. Hein. On mérite bien la prime. Hein. Et voilà, le gameplay, il est ce qu'il est. Moi je le trouve assez bien. Franchement, après, je pense que tu peux avoir des. Mais le côté feeling de l'arme, un peu lourde, un peu difficile à manier, tu l'as, tu le ressens, et ça c'est assez chouette. Et c'est pas. Voilà, c'est des armes. C'est toujours pareil, vraiment. C'est difficile de ressortir des défauts de ce jeu. Vraiment. Il est comme je le voulais. J'avais adoré Red Dead Redemption 1. Ça a été mon jeu préféré avec le Mass Effect sur la Xbox 360 à l'époque. Et là, bah, c'est bien. Allez, on va arriver. Hop, petit dérapage. Hey les gars, je fais votre boulot moi. C'est pas par là que je dois te l'amener?
Par l'autre côté? Genre vraiment? On va dire cheval de monsieur. Par là? I believe this body's worth something. Well now, so much for them boys being the terror of the South. Drop that raid in the cart out back. Come around for your bounty. La charrette derrière. Ah, eh oui, parce qu'il avait été vivant, on aurait pu le mettre derrière les barreaux. Mais là, ça sera dans la charrette. Oh, pardon. J'ai cassé les... J'espère que t'as rien vu, hein. Il va m'enlever ça des 100$. Well, that's what they were, and not a penny more. On prend. I'm worth every penny. Merci monsieur, 100$ de fait. Bah écoutez, on aura galéré pour cette mission, franchement, ça a été laborieux. Plus on a eu pas de chance, vraiment, on était pas loin de réussir à l'avoir vivant, je pense, hein, au moment où en fait il y avait plus d'ennemis, on lui tire dans la main, et s'il tombe pas, on l'a quoi. Donc un peu deg, ça aurait été cool de l'avoir vivant. Monsieur, monsieur. Il crie pas, Arthur il gueule sur les flics. Ben voilà, je pense qu'on a fait ce qu'on voulait faire, on aura... Ne t'inquiète pas. Moi j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, ça aurait été une vidéo un peu de galère, mais au final, mission accomplie, c'est le plus important comme on dit. Moi j'espère que ça vous aura plu, et puis nous on se retrouve pour d'autres vidéos. Profitez bien, amusez-vous bien, et à très bientôt. Ciao ciao.